Et elle répond, c'est là la mémère qu'on va commencer. À nous aller. Non, elle raconte toujours. La lumière vient comme ça. Oh, approchez. Ça commence à se mélanger dans ma tête maintenant. Ça commence à se mélanger dans ma tête. Ça commence à se mélanger dans ma tête. Ça commence à péter dans ma tête. Voilà. Je viens de prendre mes trucs ici bien maintenant. Voilà. On passe aux choses spirituelles. Voilà. Soyez 2000 encore. Il y a Jensen. Je suis à toi, Sangari. Je suis à toi. Ah. Je suis avec toi. Tu dis ta relation que ton papa est directeur de saut de fort. C'est ce qui te permet de pouvoir duper enfant des gens. C'est ton papa qui te demande de duper enfant des gens. C'est ta maman qui te demande de duper enfant des gens. C'est ta maman qui te demande de voler enfant des gens. Dieu va me donner mon œuvre d'esprit. Il est venu chanter. Il est venu chanter pendant près de 2h50 non-stop. 2h50 de show. Il est venu chanter et en retour ne rien percevoir. C'est la bonne foi, ça. Devant Dieu, devant les hommes, c'est la bonne foi. Et entendre les gens qui racontent que non, des Bordeaux, ça ne se passe pas comme ça. Que pourquoi tu l'as mis en prison? Pourquoi tu l'as mis un consort? Vous pensez que prison, là, c'est pour les hommes fous, ben. Moi-même, si je déconne, il m'a en prison. Essaye à faire des sénatés ici, c'est sorti ici. Alors, vous pensez que prison, c'est pour les fous ou bien? Quelqu'un qui a déconné, on le met à sa place. Tu étais devant le palais de la culture. Même ta propre mère, même sa propre maman, sa maman a payé ticket. Tu peux croire ça? Tellement il aime l'argent, sa propre petite soeur, elle a payé ticket. Sa maman arrivait, les gros ballons brutalisés, ils ont mis maman là dehors. C'est les riches là qui ont dit, ah, c'est maman de Sangaré. Moi, on a fait payer ticket 50 000 pour qu'elle rentre. Et je, lui, il est venu chercher son argent. Il veut s'amuser avec les autres. Maintenant, il veut s'amuser avec des gens. Et puis, il entend des maudits qui ont venu m'arrêter. Non, qu'est-ce que c'est quoi. Voilà, mais il a fini le concert là même. Et depuis un concert là, il y a des directs, il ne pouvait pas frapper, il ne pouvait pas me lâcher. Il ne pouvait pas me lâcher. C'est maintenant qu'il a me lâché. Il a monté maintenant mon vrai visage. Vous êtes maudits ou même. Vous êtes barbier ou même, chien dans votre tête. Vous payez moi aussi mouton ou même, si chien ou même, c'est pipi qui m'a mis au monde. Vous êtes malade. Moi, j'avais chanté 2h50. Je n'ai qu'à englober près de 1 mois et demi de stress. De répétition finie fatiguée. Vous savez combien de musiciens passent chez moi à la maison ici? Il y a 2 orchestres. Ils sont 22 danseurs, sans compter mon staff. 72 personnes qu'ils doivent régler. Eux, tous attendent ça. Les paroles Nyamkoka, les paroles barbier qu'il y a en caisse ici matin, midi, soir. À cause de ça, moi, je ne dors plus chez moi. Je ne dors plus chez moi. Les gens sont en train de m'appeler, de Bordeaux, mon agent. Moi aussi, j'ai porté plainte contre moi. Alors, toi, on vient te parler que non, de Bordeaux, c'est quoi. Il vient vous parler de mon affaire. Vous me regardez pour me dire non, quoi, de Bordeaux, c'est méchant de ta part. Ton papa peut travailler, puis on ne va pas le payer. Ou même ta soeur peut travailler, puis on ne va pas la payer. Quelqu'un me doit. Il me doit de l'argent. Tu as prévu payer avant, 3 jours avant. Non seulement tu me mènes dans ce nord-là, tu me mènes en Kumashama, tu me mènes en faux papo, tu me racontes la 20 mètres. Tu ne me payes pas mon argent. Mais malgré ça, à cause de mes fanatiques, je monte sur scène, 105 francs, 100 sous, même de l'eau glacée. C'est mon âme qui payait là-bas. C'est mon âme qui payait. Est-ce que vous savez que les musiciens refusaient de monter pour problème d'argent?
Je me suis tracassé, improvisé. J'ai payé une partie de leur cachet. Et puis ils sont montés sur scène. En 2013, j'étais confronté à ce même problème. Promoteur Agbe, il dit lui n'a pas l'argent. Vous savez, il m'a payé l'an combien de fois? J'ai vu communication, mais il m'a payé en quel temps? Il m'a payé une semaine après. Mais il y a fort, Dieu, l'homme n'a pas persisté tout dans ça là. Il n'a pas tout persisté dans ça là. De la manière où vous aimez, pour vous aimer, apprenez à respecter les gens. Je vis de ça, je ne suis ni voleur ni braqueur. Je ne suis pas dealer. Ma musique là, c'est de ça que je vis. Apprenez à respecter l'œuvre d'esprit des gens. Il est chanteur, toute la Côte d'Ivoire a vu. Tout le monde a apprécié. Moi, j'ai retenu à la maison. Mais quand on me regarde, qu'on a débordé China, je n'ai rien. Et tout Djamananko qui était là-bas, toi, tu as miré pour une heure, tu n'es pas dans ton des fonds. Champion, est-ce que mon cachet là a quelque chose à voir avec toi, tes fonds? Tu me payes trois jours avant. C'est comme ça qu'on appelle le professionnalisme. Ça aurait été moi de Bordeaux. Si elle n'était pas montée sur scène, il allait avoir tous les problèmes. Et on a accusé encore les artistes. Mais quand ils ont eu le promoteur, on dit non que ah, de Bordeaux, tu ne devais pas faire ça pour être un artiste. Ou peut-être artiste, moi je suis robot, et je suis machine ou bien. Je n'ai pas de charge. Je paye ma maison comment? Je paye mes amis comment? Je me soigne comment? Je me soigne comment? Je vis comment? J'avance comment avec ma carrière? Je suis mon propre producteur. Je fais comment pour sortir mes sons? Je fais comment pour enchaîner mes clips? Je fais comment moi-même pour m'habiller? Je fais comment moi-même pour vivre? Tu as venu me raconter que c'est comme ça. Qu'on a dit, bon, pourquoi tu as fait ça à Sangaré? Ça m'a con! Son barbier! Et puis si les garçons, il ne faut pas avoir payé mon âme. Il y a la mort qui a sorti dedans. Il y a la mort qui a sorti dedans. Et puis si prêt à aller jusqu'au bout, je jure de tout ce qu'il cherche. Ce n'est pas mort, c'est que ce n'est pas mort de Borou. Payez ça là. Il ne faut pas juste arriver ça. Ça rentre dans le règlement de compte. Et puis on s'est laissé. Payez un report de Côte d'Ivoire là. Je ne vois pas comment il a fait pour sortir. Il y a besoin de voir ça. Il y a besoin de voir ça. Toi, elle dit non, toi, tu n'as rien. Ta maman a beaucoup d'écoles qu'on a en Côte d'Ivoire ici. Ton papa est directeur de Sol et Fort. Eux-mêmes, ils n'ont rien à voir dedans. Tu as passé toute ta vie à bouffer l'un des tickets là. Prendre les gros pour aller les baiser à Sinissi. C'est toi qui es toujours une femme. Toujours une femme. Tu as bouffé tout l'un de qu'on appelle ça. Tu as mélangé Rebecca et Deborah tout. Tellement tu es un gawa. Femme te demande 500 000. 1 million. Brou, tu donnes. Même ma propre danseuse, la chinoise, il a compté 1 million 200. Elle a menti que non, c'est pas aller faire un mouvement de danse. Il a compté 1 million 200, il lui a donné. À cause d'un coup. Tellement tu es un gawa. Tu as jeté mon Rebecca en haut là-bas. Tu avais dit non que vous avez me concentrer sur ticket. Tu es malade. Tu es fou. Vous les promoteurs, vous pensez qu'on a quoi même? Vous les promoteurs, vous comptez sur quoi? Toi, c'est toi un enfant qui a 27 ans, tu as venu te foutre de moi. Alors, on a voulu gérer le mouvement tranquillement en Prince, en catimini. Toi, tu as appelé Kouassi.com pour aller étaler des barreaux qu'on a des barreaux à fumer drogue aux États-Unis. Tu es malade. Tu es malade. On a dit chambre non fumeur, il a fumé cigarette, oui. Je fais ce qu'il a envie de faire, il mange. C'est toi qui as payé. Je suis sous ta coupole, c'est toi qui gères ça. Mais malgré ça, tu n'as pas empêché d'enlever 1 million à mon Dieu. J'ai parlé de ça. Quand tu as fait bien boxer aux États-Unis, là, j'ai parlé de ça. Tu as fait bien boxer, là, enfin, il m'a attrapé aux États-Unis, là, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Quand tu me faisais dormir dans le salon aux États-Unis, là, j'ai parlé de ça. Tu me faisais dormir chez femme enceinte là, j'ai parlé de ça. Quand tu as appelé l'immigration, qu'il y a près de 20 000 dollars Simon là, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. L'immigration m'a arrêté aux États-Unis. Moins un, ils allaient m'enfermer. J'ai parlé de ça. C'est Sangaré qui a fait ça. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a contre moi. Petit, Dieu me descende. Il est te maillé. Ton esprit, il est maillé ça. Alors, sans parler ça, ça a menti à ce qu'elle nous dit. Que déférez-le. On a les meilleurs avocats. C'est sa maman qui dit ça. On a les meilleurs avocats. Déférez-le. Envoyez-le au parquet. Envoyez ça au civil. Et tu vois un peu. Je te dis, elle n'a jamais vu que l'homme en défait pas. Il reste au parquet. Elle n'a pas encore vu ça. Mais elle dit non, que ouais, si quoi de Bordeaux compte là, nous on a besoin de voir ça. Que de Bordeaux, il n'a qu'à se préparer. Et quand on finit ça là, lui et moi on s'est expliqué. C'est sa maman qui dit ça. C'est un petit de Sangaré, il est aux États-Unis là-bas. Donc tous les papos là, lui nous envoie ça.
En direct. Donc c'est comme si les morts se sont préparés pour moi en fait. Père, maman n'est pas prêt. Personne n'est prêt. Quand on fait un chèque, on te donne. Je dis, mais chèque là, donner c'est une autre personne qui m'a envoyé mon nom. Eh bien, non, c'est quoi, quoi. Aujourd'hui, il y a près de 45 personnes qui passent matin, midi, sont emballés chez moi. Débordo, on a joué là. On a vu le public qui était là. Notre jeton, on fait comment? Dis que au dimanche, mon danseur, on me parlait paroles foutaises, Namkoka. Que non, moi, Débordo, je suis méchant de nature. Que comment nous, on peut danser, puis toi, tu ne vas pas nous payer. Il y a dit, les petits frères, c'est pas ça. Il y a tant mon reliquat, c'est pas tombé. Et dit, non, ils ne se reconnaissent pas dedans. Eux veulent les jetons. Tu sais de quoi tu parles? En savant là-bas, ça m'a dit non, que où ça doit aller, ça doit aller. Que la justice, là, nous, on contrôle la justice. Pays là, c'est pour nous. Pays là, c'est pour vous. Il n'y a pas de plan. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je compte seulement sur une seule personne. Je compte sur le PG, le procureur général de la République. Monsieur Lebri, mes respects. Procureur Adou, je compte sur vous. Pour régler cette affaire, les artistes de Côte d'Ivoire souffrent. On est malmenés. On est malmenés par des promoteurs qui sont de mauvaise foi. En 2013, j'ai été confronté à un promoteur de mauvaise foi. Je n'ai pas reçu mon argent. 5 ans après encore, je tombe encore dans ces mêmes bassesses. Pardonnez. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et si la justice n'est pas en mesure de régler ça, je crois qu'on règle ça en mode underground. On va régler ça en mode Moussia. Et si prêt, et mes éléments sont prêts. Voilà, il s'est règlement de compte là, on fait ça. Mais si ça vous quitte, on dit quitter. Route même que tu apprends pour aller aux États-Unis là. Il y a besoin de voir ça. Il y a besoin de voir ça. Ce qui est bon chez moi, c'est que pour moi, c'est pas bouche. C'est pas bouche. C'est sur les lieux. Ce qui est dit sur Facebook, c'est ce qui va se passer. Il dit, un garçon, il a là. Même tes lâches de garde corps. On s'est laissé. C'est âme, non? Ça fait des âmes, non? On s'est laissé. C'est rien même. C'est rien. Ça fait de l'an. C'est le sang qui a coulé. Et puis, je suis prêt. Je suis prêt. Si les autorités de ces pays-là n'ont pas pris quelque chose en compte, on s'est expliqué. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ceux qui racontent que notre Débordo, tu es méchant, tu es retenu, c'est ici. Vous êtes plus bas, bien maudit que Débordo. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Je suis dans mon plein droit. J'ai chanté. J'ai fait plaisir à toute la nation. Quand il prenait l'un des tickets pour aller baiser Tego, actuellement il a pris les 4 gores de venir des États-Unis. Elles sont dans les résidences. Allez là, il a pris à crédit encore sur les filles là. On veut les chasser, mais on dit elles vont payer d'abord. Sans rien, t'attends encore, tu vas payer l'argent là. Et puis ce qui est bizarre, c'est que les filles lui ont proposé cacher. Il a payé avance. C'est pour dire, tu vois les petits qui payent avec les moulins. Voilà. C'est les petits gawa. Aïe. Vous avez regardé les gens quoi pour une autre Débordo, c'est quoi quoi. Mon nom, tu as donné. Alors, il y a des gens qui parlent, non, Débordo, c'est pas quoi, quoi. Faut pas, tu vas l'envoyer en prison, faut pas. Qui va l'envoyer en prison? Il y avait mon âme. Et puis, t'as ça m'a dit, on paye son âme en monnaie de singe. Mais ça, c'est rien, ça. En monnaie de singe, non. Mais il y a où montrer où le singe dort. Par rapport à quoi? Tout le monde, Débordo, tu es trop mauvais. Oui, si c'est pour prendre, si mauvais, parce qu'il doit encaisser l'argent pour payer et sauver des vies, des familles. Parce qu'il y a des pères de famille qui bossent avec moi. Il y a des pères de famille qui bossent avec moi. Il y a des personnes qui dépendent de moi. Près de 72 personnes qui sont derrière moi en train d'attendre l'argent. Vous pouvez me venir encore à Débordo. Faut laisser tomber. De laisser quoi? De laisser quoi? Qu'on sait quoi, quoi? En 2013, même chose. Il y a Gbé Palais. 2013, il y a Gbé Palais. Guillaume Vinge avait me regardé pour lui. Lui n'est pas rentré dans ses fonds. Il n'est pas rentré dans ses fonds.
Aujourd'hui encore, parler avec Bé encore, on me dit non, et ça part dans les fonds. Et les promoteurs là, un promoteur lui gagne jamais. Il n'y a jamais un promoteur qui a dit non que ouais, il a gagné. Jamais. Le promoteur dit toujours qu'il n'a rien gagné. Tu vois, apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Si la justice de Côte d'Ivoire est juste, je vais voir ça, si cette affaire. Sans arrêt. D'après toi, tu as toutes tes relations. Moi, je suis un filin. Je compte sur Dieu. Oui. Il n'y a pas de problème. Tu comptes sur ton papa. Tu comptes sur tes parents. Tes parents, tu sais ce qu'ils ont fait. Ils ont déployé deux avocats. Venez régler ça. Alors que l'un d'avocats, là, même le problème de ça. Et puis, c'est parti. Et tu comprends. Mais eux, préfèrent. Ils vont me montrer que Deborah, tu n'es rien. Donc, ils prennent deux avocats pour poursuivre cette affaire. J'ai dit, ok, allons où les cœurs, on y va. Une chose est sûre, si je n'ai pas eu mon argent, on monte et on descend. Moi, ma tactique là, on va avoir notre argent. C'est moi que vous voyez. Mais allons derrière moi, on va avoir notre argent. On aura notre argent. À l'aise. Le business est le business. Le business, c'est le business. Ça aurait été moi, il n'y avait pas rempli ma part de contrat. Non seulement humiliation, ils allaient m'attacher, fini fatigué. Mon nom allait passer partout, des bordeaux, ça allait sortir ici. Comment ça, je veux les gangabas. Champion dans la ville, pourquoi on ait pitié de toi, il faut avoir pitié même des gens. Il est méchant. Même Sono, podium, podium où on a presté là, il n'a pas payé ça, tu sais ça. Il n'a pas payé podium. Tu sais que parler même de la culture même là, où on a presté là, il a passé son temps à bouffer l'argent. C'est à la dernière minute là. Parler, ils n'ont pas vite, ils n'ont pas vite, ils ont pas vite ouvert la porte. Les portes, ils n'ont pas vite ouvert, ils n'ont pas déjà les portes rapidement. Parce qu'ils n'avaient pas encore fini de payer. Ils n'ont pas ouvert les portes du palais de la culture parce que Sangaré n'avait pas encore fini de payer le palais de la culture. C'est-à-dire les gens qui allaient arriver là, ceux qui allaient finir là. Ils allaient attendre dehors. Parce que parler là, ils n'ont pas encore payé. Parler la culture. C'est-à-dire, en fait, c'est un petit malhonnête qui est arrivé avec son affaire d'États-Unis. Il est venu chercher, non, pour mougou les filles, tranquillement. Jean Guénon, quoi. Ouais, Sangaré groupe, nanani. Mais c'est le gars, il a baisé là-même. C'est-à-dire qu'ils me font pitié. Peut-être qu'ils ont affaire à bon quelqu'un. Elle ne savait pas. Nous, on a lancé moins de 50 millions pour rehausser un peu d'image et déborder le Gonfa. Voilà, pour montrer que voilà. On a abouti à quelque chose, tout le monde frappe ses veilles, c'est en mode marketing et gagne encore de la notoriété. On a fait ça, mais mon cachet c'est 25 millions. J'ai réussi 10 millions. Oui, réparti entre moi et mes gars, tout ça. Il reste 15 millions en tabac commun, en main commun. Tous mes créanciers me regardent comme ça, aux aguets. Il m'amuse, c'est un homme mort, il n'a qu'à le laisser. Mon âme ne peut jamais partir. J'ai dit merci à la DPC. J'ai dit merci aussi au directeur de la police nationale, au commissaire divisionnaire, qui pourrait être le nom. Oui. J'ai dit merci aussi au chef d'état-major. J'ai dit merci aussi à la présidence. On est au COI. On est au COI. Voilà. On travaille pour être payé, on ne travaille pas pour devenir mouton. Qu'on a débordé, il faut avoir pitié. Vous êtes maudit ou bien? Toi, ton papa qui t'a mis au monde, là, il travaille, on ne le paye pas. Nous tous, on est père de famille, nous tous. Il y en a quand venir, puis les gens me répondent, ah, où est l'argent? Où est l'argent du concert? On fait comment? Le promoteur nous avait chicoté pour des mesures. Là, s'ils en il lui a vu le concert là. Il a vu hier du public, c'était gré, des barreaux finis à nous. Il y en a quand venir regarder. Il y en a quand venir regarder. Sangaré! Oui, mais ceux qui sont à côté de Sangaré. Ce n'est qu'une partie remise. On est dedans. Voilà. C'est bras de fer, non? Pour moi, ce n'est pas bras de fer. Faut pas justice va régler. Ça va rentrer dans le règlement de compte. On règle ça entre nous. Voilà. Les gars du corps, j'espère qu'ils sont prêts. Puis nous, on est prêts aussi. C'est nous aussi, non? On règle ça. Voilà. Moi, mon affaire, là, je perds ça. Voilà. Tu es du là, non? Je suis deux fois du là que toi. Pas bien, même pas tenté. J'aime là, moi, j'aime là. J'aime là. Voilà.
Hey, on est tous tu là, petit. Il aime commerce, il aime commerce, il aime là. T'as pas envie de foutre déjà quand des balles, tu vas t'avoir me rendre plat comme ça. Oh non, quand ça n'a pas mangé, tu es malade. Tu sais combien a fait sortir là-bas? Que voilà ce qu'il y a dans ma caisse, 475 000. Tu es malade. Le public était là, c'est 475 000. Tu es bête ou bien il faut prendre les gens pour dire attends. C'est à quel moment tu as tiqué 5 000 là-bas? Que non, il a pu attraper 475 000. Tu es fou. Déjà, le Moro s'apprêtait à partir aux États-Unis le mardi. Oh, on l'a bloqué. Oh. Il va prendre tout le jet. Il va prendre tout le jet. Tu sais que Prozuma, il a un stock d'argent à Prozuma. Tous ces coins de vente là, automatiquement, il n'a pas encore pris son argent là-bas. Donc lui, il attend seulement. Il va aller au paquet. Ils vont le relaxer un peu. Il va récupérer l'argent là. Et puis il va glisser. De Bordeaux est sorti sans. Maintenant, c'est moi là. Il a encaissé tout ce qui est multi-plainte. C'est moi qui vais prendre ça. Tous les pots cassés. Il y a reçu après le coup financier de Kabila. Viens là m'appeler. À ça, il faut m'appeler pour lui petit à quel problème. Le ministre de la Culture, il appelle tout de suite là pour lui expliquer ce à quoi on est confronté. Donc, nous, on n'a pas venu souffrir ici, d'abord en piraterie. On fait conscience qu'on ne veut pas payer les gens. Tu es malade ou bien? Tu mens même. Voilà. Voilà. Pourquoi quand on disait que non, Déborah était en prison, pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que tu sais, c'est un business. Tu comprends un peu? Il ne peut pas venir taler quelqu'un comme ça pour rien. Donc, il a préféré protéger son image. Tu vois un peu, non? Il veut protéger son image. Mais le comble, tu sais, c'est quoi? C'est que c'est lui-même. Tu es toi-même. En tant que promoteur, tu appelles les gens pour lui, Déborah m'a mis en prison. Tu comprends un peu? Pourquoi on dit non, Déborah est le méchant? Et c'est toi qui es le gentil. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, tu es mis en prison. Tu as fait quoi? Et puis, on t'a mis en prison. Champion. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé Déborah? Non. Nous, là, pour te sécuriser, pour que ça soit sûr qu'on ait notre argent, on te met là-bas, en garde à vue. Tu comprends? Tu vas nous dire combien notre argent et puis comment tu vas nous payer notre argent. C'est tout. On a besoin d'argent. Ce n'est pas pour dire que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent. Ton papa est directeur de soins forts. Ta maman a près de 10 écoles dans ce pays-là. Elle a l'argent. Et conseil, là, ça a marché en plus. Tes tickets, là, sont chez Prozuma. Tout est là. Toi, tu as me regardé tellement tu as de mauvaise foi. Que non, c'est 475 000. Tu es malade. Ta mère, con, champion. Ouais, bro. Côté Boro Sangare est américain, tu peux pas l'arrêter. C'est lui qui veut aller américain. Il y a un Djula, il est quel américain? Il est quel américain? Il a carré ses joues. Il n'est pas américain. Même Green Card, il n'a pas ça. Ouais, américain. Vous savez ce qu'on appelle américain? Américain se comporte pas quoi? Il m'a signalé à l'immigration. Sangare m'a signalé à l'immigration. Entends aux États-Unis, si ton ami ou bien ton frère te signale à l'immigration, c'est qu'il peut te tuer. Puis c'est Sangare qui a fait ça. Même, tout à l'heure, c'est lui qui m'a fait venir. Mais puis le même gars qui m'a fait venir, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, c'est le même gars qui me signale maintenant à l'immigration. Parce qu'il a mal. Mais malgré ça, il prend mon gros cœur. Tu vois un peu, non, comme Dieu ne dort pas là, moi il est testé, il est venu barrer lui. Il voit sa gamme. Tu vois un peu, non? Donc il bosse lui maintenant. Et puis moi il attend au tournant. Le petit est très hautain, imbu de sa personne. Parce que quoi? Co-enfant des riches. Il y a beaucoup d'enfants des riches qui sont imbus. Mais lui, il est quel enfant des riches? Plaisantin, c'est lui. Et il attend. Maintenant, les nkunkun qui viennent parler, non, que Déborah, il faut laisser, non. Mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est sorti ici. Moi, vous regardez. Je suis un enfant de Dieu. Aïe. Attends, Michel, là. Attends, Michel, l'enfant. Attends, Michel, l'enfant des pauvres. Qui va donner mon argent? Conseil est fini, non? Voilà.
Jésus est devenu le même. Le même. Le psychopathe, là, il est revenu. Voilà. C'est comment quelqu'un peut chanter. Et puis il veut fuir. Ça dit, il a fini son point net, il veut fuir. On l'a attrapé. Même dans la voiture, là, il partait avec Go. Il partait avec Go. Il a mis au moins 2 Go dans la voiture. Là. Il y avait beaucoup de sacs de femmes comme ça dans la voiture. Là. Il partait encore, c'est la couleur douce. Un autre agent de conseil. Lui, ça, c'est la couleur douce. Il y a 2 bonnes petites, bien, bien. On les a jetées, on dit sortez là-bas. Elle dit mon sac. On dit descends là-bas. Mais mon sac, il y a l'argent dedans. Il y a lui, sort là-bas. Oh. Emmenez-le. Oh. Elle m'appelle. Mets tes bateaux. Mets ton promoteur là. Mon sac est dans sa voiture. Il y a pas comment. Et vous, toi, on t'a pas mis en prison, ça coule ça. Faut partir à la pêche, il est couché là-bas. Et puis elle arrive à ma résidence. Et puis elle commence à m'insulter. Mais pourquoi tes gars, tes soldats, nous arrivent hey. Moi-même, là-même. Qui était devant moi. Ceux qui disent donc que ouais, le vrai problème, c'est que le grand réussite, la plus grande réussite de Debordo Likoumfa, c'était ce conseil-là. C'était ce conseil-là. Parce que moi-même, pour être clair, j'ai passé au pire. Parce qu'être confronté, c'est-à-dire deux leaders, deux puissances de la musique ivoirienne. L'autre côté, DJ Arafat, qui a cassé son prix. On va dire même gratuit. Et Arafat, ce n'est pas les artistes et non les textes. C'est un grand artiste et non les moindres. Qui fait son concert au PAL, c'est-à-dire au stade de la BAE. Gratuit. Et Deborah qui fait son concert, 10 000. 15 000, 20 000, 50 000. Et puis il y a ce public-là. Il ne sait pas Dieu. Il a dit merci à qui? Ceux qui parlent, c'est des aigris. Des égrégores. Oui. Toi, t'as vu mes rêves, me dit non que ouais. Ah. Mais c'est 300 siamis. C'est 300 siamis, il n'y a plus arrêté. Lui, depuis 14 heures, il encaisse l'un des gens seulement. Tu as encaissé 10 000, 15 000, 10 000, 15 000, 10 000, 15 000, 10 000, 15 000, 20 000 siamis, 10 000, 15 000, 20 000 siamis. Pendant près de l'année. Pendant près de 7 heures de temps, toi tu encaisses seulement. Tu vas me regarder. Tu vas me regarder. Hein. Et puis tu dis, c'est 300 000. Genre, c'est playback ici, viens me faire façon. Tu vas payer mon argent. Il a vu ça, tu as été musique. Aïe! Il y a comment monsieur risqué? Arafat fait concert. Il dit, hey, ça c'est rien. On dit non, il faut baisser ton prix, là tu as la voix. Il dit, je ne peux jamais baisser mon prix. Jamais. Je suis un bêté, je suis un gros, je suis un garçon. On maintient les prix. 10 000, 15 000, 20 000 et 50 000. Aïe. Toutes ces places sont remplies. Alors, on me dit, non, il faut monter derrière. C'est derrière, il chante bien. On a béo. Et puis Dieu merci, toute la nation et toutes les nations ont vu. Car Dieu s'est manifesté. Alors, on dit le mensonge, je l'attrape toujours. Oui, si c'est en ce qui concerne les 50 millions, il a été clair. C'est une question de marketing, de notoriété et de montrer combien de fois on veut rehausser l'image des artistes de Côte d'Ivoire. Oui, et c'est même bien. Même mes 15 millions, c'est ça. Sans tu vas payer ça. Ici est toi. Voilà. Non, mes amis, on est ensemble. Apprêtez-vous pour le dos à dos. On fait ça. Ça va sortir dans ces temps-là. Voilà. Donc, les blablatins, les racontants, les bomchis, les légues, les ch... Voilà. On est dedans. Donc voilà. On est dedans.
Ah, merci les gars. Et là, Déborah. On est ensemble. Donc, tous ces jours-là, Yessi est Sangari. Même quand il serait lui, il fait direct. Et puis, il va parler. Ne le laisse pas. Mon argent, tu vas payer. Tu vas payer. Tu ne payes pas, tu vas nimi. Tu as deux mon nom et puis tu as nimi. Aïe. Ciao, ciao, il y en a fini. Moi, c'est voleur, là. Le chien comme ça.